harmoniser les pseudonymes, parce que vous imaginez pas le travail que c'est derrière pour Wikimedia et pour tout le jury pour retrouver les pseudonymes de chacun. Donc ça serait bien que vous puissiez tous avoir votre nom et le nom de l'établissement sur les pseudonymes. Ça nous aide vachement. Le deuxième conseil, c'est d'échelonner les contributions, parce qu'évidemment, le concours se terminant le 1er mai, toutes les contributions ayant été postées le 30 avril ne permettent pas d'avoir des interactions avec la communauté, et c'est donc perdre quand même une grande partie de l'intérêt du travail sur Wikipédia. Alors le troisième, interagir avec la communauté. Donc pour ça, il vaut mieux privilégier le forum des nouveaux sur Wikipédia, parce qu'on peut aussi discuter sur la page de l'article, mais malheureusement, comme elle n'est pas très connue, qu'elle vient de sortir, en général, c'est assez difficile d'avoir des discussions avec les Wikipédiens dessus, donc on vous conseille le forum des nouveaux. Le quatrième, c'est surtout de penser à compléter la page projet de votre établissement, parce que ça nous permet, nous jurys, de voir un peu l'évolution de votre travail, comment vous avez échelonné les séquences, quelles ont été vos difficultés, etc., comment vous avez interagi avec la communauté, comment vous avez posé des questions, et donc ça nous permet d'évaluer aussi votre contribution. Le cinquième, si vous suivez toujours, c'est d'enrichir les traductions. Donc on peut très bien traduire une page Wikipédia anglais ou peu importe la langue en français. Par contre, il faut penser à rajouter des sources. C'est pas le tout de juste traduire, il faut rajouter de nouvelles sources, de nouvelles infos sur l'article. C'est ça qu'on va vraiment chercher et valoriser. Le conseil numéro 6, c'est de penser à améliorer Wikipédia. L'objectif, c'est pas forcément de créer de nouveaux articles, puisqu'il y en a déjà sur beaucoup, beaucoup de sujets, mais tout simplement faire des corrections, retrouver des sources, enrichir un article, ça peut être très, très intéressant aussi comme travail. Alors le septième, c'est de favoriser la cohérence. On va valoriser l'ensemble d'un établissement, donc l'ensemble des contributions de chaque personne qui aura participé. Donc c'est bien d'avoir une cohérence d'ensemble, de se relire entre élèves. Quand on écrit un article, on est plusieurs, par exemple que chacun a une partie, c'est bien d'avoir vraiment relire ensemble le tout pour avoir une unité de ton. Et c'est ça que nous, on regarde. Le huitième est très très important, c'est de respecter les droits d'auteur. Il faut vraiment rester vigilant là-dessus, ne pas faire de copier-coller. Quand on ajoute des illustrations, vérifier qu'elles sont bien libres de droit, bien mentionnées, l'auteur de l'illustration, etc. Donc ça, c'est le huitième conseil le plus important. L'avant-dernier, demander de l'aide, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide aux Wikipédiens, à l'équipe de formateurs qui coordonne le concours. Toutes les adresses seront mises en ligne, c'est ça ? Sur le site du Clémy. Sur le site du Clémy, vous pourrez voir. Mais surtout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, demandez, n'abandonnez pas surtout. On est là derrière vous. Et pour finir, le conseil numéro 10, soyez inspirés. N'hésitez pas, il y a encore plein de sujets hyper intéressants, nouveaux, qui n'ont pas été traités dans Wikipédia. Cette année, on a eu un article sur le mumble rap, par exemple, qu'aucun membre du jury ne connaissait. Donc du coup, ça nous a appris aussi plein de choses à nous. Donc soyez inspirés, n'hésitez pas.